Il y a une petite vidéo d'exploration sur un jeu que. Ben, c'est à peu près pas un jeu en soi, c'est une espèce de quiz géographique, savoir si vous connaissez bien votre carte du monde. Donc, on a ici différentes options. Bon, on peut voir par exemple en Europe. On a une section pour l'Europe. On a une section pour l'Amérique du Nord. On a une section de l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. L'Océanie, il y en a même le monde. On va faire avec le monde pour l'instant. On va aller voir les pays. Tout simplement, c'est 70 pays les plus peuplés, non? 150, voilà. Il va en avoir plus. 150 pays les plus vastes du monde. Bon, ce ne sera pas un défi énorme pour moi, alors, on s'entend. Mais il y en a pour qui ça va être un peu plus compliqué. Donc, si jamais vous cherchez un genre de site pour. Essayer d'apprendre au niveau de la géographie. Il y en a sur les pays du monde, comme ça. Il y en a sur les capitales, les villes, les grands fleuves du monde, les régions, les montagnes. Il y en a sur les parties de la France, de la Belgique aussi, de l'Allemagne, de l'Espagne. Vous pourrez en trouver sur plusieurs régions. Bon, je sais que la plupart des gens ici sont français ou belges, donc il y en a certains sur vos pays. Donc si ça vous intéresse. Il y en a quelques-uns sur le Canada aussi, je crois. Les villes du Canada. Je vais aller explorer un petit peu après. On va commencer avec tranquille ici. On peut, si vous utilisez la touche contrôle de votre clavier et la roulette de votre souris, vous pouvez agrandir. Donc là, la Macédoine, c'est en Yougoslavie, c'est le sud ici. C'est la Macédoine du Nord parce que le sud ici, ça fait partie. Ça s'appelle la Macédoine, tout ça ici. Et c'est une partie de l'Espagne, de la Grèce. Donc. Quand vous entendez parler d'Alexandre le Grand, là, il venait de cette région-là, ici, là, de la Macédoine. Donc, c'est une région grecque, là, mais ici, il y a beaucoup d'Albanais qui vivent en Macédoine du Nord, par exemple. Il y a des Grecs, il y a des Serbes. C'est un pays un peu entre multiethnique. Donc, voilà, Macédoine du Nord. La Malaisie, ça, c'est en Asie. Non, ça, c'est pas le bon bouton. Oups. Je peux pas. Ouais, je peux me déplacer ici, comme ça. La Malaisie, c'est au sud ici. Il y a le petit truc ici à sur Bornéo aussi. Tout ça fait partie de la Malaisie. La Guinée équatoriale, oh mon dieu, c'est lequel ça? C'est pas lui, là? Ouais, c'est les tout petits, il y a une petite île. C'est la colonie espagnole que vous voyez dans le jeu. Si vous allez sur Calafort, il y a une colonie espagnole dans cette région-là. C'est l'île ici. Je crois que c'est Santa Isabella. Et la petite carré qui est là. Ils font partie dans le jeu de Calafort, ils sont là. Bon, l'équateur, trouvez-le, c'est pas trop compliqué. Le Malawi. On voit mal un peu dans le jeu au niveau des provinces. C'est sur le bord des fleuves ici. Il y a comme trois grands fleuves, là. Trois grands lacs en Afrique. Il y en a un des trois qui est bordé par le Malawi. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï. C'est Dubaï, la grande ville hyper riche avec le Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, c'est là. Le Togo, bon. Il y a le Bénin ici, ça c'est le Togo. Voilà. Burundi, bon, c'est lequel des deux? Je crois que c'est lui, Burundi. Ouais, c'est lui d'en bas. La Zambie, c'est lui. La Tanzanie. Il est grand, la Tanzanie. C'est un des plus grands pays d'Afrique, hein, au niveau de la population. Bon, l'Irlande. Trouver l'Irlande sur une carte, c'est pas compliqué. La Slovaquie, à ne pas confondre avec la Slovénie. Pourquoi j'appuie sur contrôle. Bon, la Slovénie, il est en vert, donc il est trop petit. Il sera pas demandé. La Slovaquie, elle est là. C'est quoi, Slovaquie. Donc, République tchèque et Slovaquie. Le Kenya, c'est en Afrique. Ouais, la carte, j'aimerais qu'on puisse la déplacer comme ça. On peut pas. Le Mozambique, lui ici. Colonie portugaise. On parle portugais au Mozambique d'ailleurs, comme en Angola. Oh, le Kirghizistan, mon dieu. C'est lequel? Ça, c'est un des pays d'Istan. Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, je crois. Non, c'est l'autre. J'ai inversé les deux là. Le Libéria, c'est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été conquis d'ailleurs. C'est techniquement une colonie de repeuplement d'Afro-Américains renvoyés et réémigrés, comme le voudrait Zemmour, en Afrique. Ça n'a pas marché. Plot twist, ça a donné de la merde. Mais ça a donné naissance à ce pays-là. Bon, c'était pas formidable, comme on s'y attendait, pour certains. Ah, le Djibouti, colonie française, qui se trouve ici d'ailleurs, pas loin de l'Éthiopie, qui est dans le jeu aussi. La Corée du Sud, bon. Ne mélangez pas le Sud et le Nord. L'Ouganda. Oh, l'Ouganda, ça va être un peu plus compliqué. Je crois que c'est lui. Ça, c'est le Botswana, ça, c'est l'Ouganda? Non, c'est le Zimbabwe. Où est l'Ouganda?
Si. Non. Où est l'Ouganda? Qu'est-ce que l'Ouganda? Burkina Faso, non? Gabon? Sénégal? Je ne sais pas. C'est quoi l'Ouganda? Je ne connais pas. Ah, c'est pour lui? Oui, voilà, c'est le dernier qui reste. La Suisse, bon. Monte, monte. J'arrive pas à monter. Il veut pas. Voilà, la Suisse au milieu de tout. La Croatie, c'est le petit truc ici avec la côte de la Dalmatie. Vous voyez ce qu'il y a la côte là? C'est la Dalmatie et l'Istrie. Voyez le territoire qu'Eden essaie de récupérer à l'Italie là? C'est ici la pointe là, c'est l'Istrie qui appartient à l'Italie dans le jeu. Qui appartient aujourd'hui à la Yougoslavie, à la Croatie et à la Slovénie, qui est en haut ici. Taïwan. Bon, la Chine n'aime pas le jeu, je crois, parce que Taïwan est représenté comme un pays. Bon, le jeu, il doit être ban en Chine. La Bulgarie, elle est là. Le Chili, c'est le petit truc en long, c'est toute la côte des Andes. La Russie. L'Espagne. Bon, il y a des pays pas trop compliqués, le Canada, je crois. Le Zimbabwe, on l'a touché tout à l'heure. Le Suriname, c'est la colonie au milieu. Ici, il y a les trois Guyanes. La Guyane du milieu, c'est le Suriname. C'est la Guyane hollandaise. Ils parlent néerlandais dans cette colonie. Bon, ici, Estonie, Lettonie, Lituanie. Ça, c'est quand même des petits pays, mais c'est bien de s'en rappeler, quoi. Bon, le Sierra Leone. Putain, le Sierra Leone. C'est pas le petit truc que là, ouais. Cuba. Mais ça va en Afrique, j'ai ma carte de l'Afrique qui est quand même pas si mal. Le Sri Lanka, c'est l'île de Ceylan, ici. Colonie anglaise. Le Sénégal, français. Soudan. Il y a Soudan et Soudan du Sud. Ça, c'est le pays le plus jeune du monde, c'est le Soudan du Sud. Parce que il y a eu une guerre civile au Soudan qui a abouti à la libération du Soudan du Sud, la sécession du Soudan du Sud. Il y a eu des génocides, le Soudan qui tuait des civils dans les villages sud-soudanais. C'est assez horrible. Il y a eu une grosse crise humanitaire à cause de ça. Il y a eu un film là-dessus d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'immigrants qui ont fui, des gens qui ont fui le pays parce que c'est une zone de guerre. Et c'est pas fameux. J'ai échappé de l'eau sur ma souris. Mon tapis de souris aussi. Et ça a été assez meurtrier. Ce qui fait que le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde. Donc, si on vous demande un jour quel est le plus jeune pays du monde, c'est le Soudan du Sud. La Suède ici, l'Uruguay, c'est le petit truc au sud du Brésil. La République tchèque, l'ancienne Tchécoslovaquie. Tchéquie et Slovaquie. Bon, l'Ukraine, on commence à tous savoir où est l'Ukraine en ce moment. Ici, avec la Crimée qui est considérée comme faisant partie de l'Ukraine dans le jeu. Le jeu est aussi retiré de la plateforme internet de Russie. Ouais, ce genre de carte-là, ça fait toujours un peu scandale. Et on voit ici le Sahara occidental qui est coupé du Maroc. Le Maroc ne doit pas aimer non plus cette carte. Qu'est-ce que vous voulez, les gens, à un moment donné? C'est la carte vision occidentale du monde, en fait. Guyana, ça c'est la Guyane anglaise, ici. Il y a la Guyane française qui est là, ça doit être dans le jeu, il doit être ça doit faire partie de la France. Ouais, voilà, c'est la France qui se surligne en même temps en fait que la Guyane. La Somalie, le pays des pirates, qui s'est pas séparé en deux d'ailleurs, la Somalie, entre le Somaliland, anciennement britannique ici, et le reste, anciennement italien. Il me semble qu'il y a eu. Il faudrait que je renvoie là-dessus, je sais pas s'ils sont encore unis, ou si ça va finir par éclater bientôt. Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est ici, qui fait partie de l'Australie dans le jeu. Le Laos, c'est celle-là ici, ancienne Indochine, le Népal, la Roumanie. Oh, la Roumanie, c'est simple. Regardez la Roumanie, comment elle a changé de territoire. La carte de la Roumanie, elle a tellement été changée à chaque fois dans son histoire, c'est horrible. Bon, ici, on a l'Indonésie. Les îles d'Indonésie, si vous ne le saviez pas, ici, on a la Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est là. Donc ça, c'est sur l'île de Nouvelle-Guinée. Ça, c'est Bornéo. Il y a trois pays sur Bornéo. L'Indonésie, ici, dans le sud. La Malaisie, dans le nord, qui est ici.
Et il y a Brunei, qui est une genre de cité-État, toute petite, mais assez riche. Il y a Sumatra, la grande île. Java, la plus peuplée. C'est là où on trouve Jakarta, l'ancienne capitale de l'Indonésie. Ils ont changé de capitale d'ailleurs. On a l'île de Célébès ici, l'une des grandes îles. Bon, après les autres îles, je vais pas tous vous les nommer. Il y a les petites îles de la Sonde et tout. Techniquement, la carte n'est pas bonne parce que ici, l'île que là, elle est coupée en deux. Il y a le Timor oriental, c'est la moitié de l'île qui est à l'est. Ouais, à l'est. C'est une ancienne colonie portugaise. C'est un pays indépendant. L'Indonésie a essayé d'en prendre le contrôle à un moment donné, quand il y a eu l'indépendance et tout. Et ils ont fini par les libérer ensuite. Et c'est une toute petite. C'est une toute petite moitié d'île. C'est un tout petit pays. La Côte d'Ivoire. Ça, c'est le Ghana, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Lettonie, c'est le deuxième en haut. Celui au milieu. Le plus peuplé, je crois, d'ailleurs. La Bolivie, en Amérique du Sud. La Hongrie. Hongrie qui est ici. Les îles Salomon. Si vous ne le saviez pas, les îles Salomon, c'est les petites îles ici qui appartiennent à l'Australie dans le jeu. Corée du Nord, bien sûr. La Norvège. La Biélorussie qui est ici, qui va peut-être un jour être annexée au sein de la Russie. Ça tombe que ça, putain. L'Afrique du Sud. L'Albanie, c'est le petit truc qui ne fait pas partie de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie ici, là. Vous voyez, il y a tous les pays de l'ancienne Yougoslavie. L'Albanie n'en faisait pas partie. Elle a d'ailleurs été conquise par l'Italie. Je crois que c'était pas en 38, 39, ces jours-là. Un peu avant la guerre, en fait. Et ils ont essayé, les Italiens, d'envahir la Grèce à partir de l'Albanie. Et ça s'est retrouvé de la conquête de la Grèce s'est retrouvée à la défense de l'Albanie. C'est assez ironique. Ils n'ont pas été capables de gagner la Grèce. Pire, la Grèce a avancé en Albanie. Tu sais, quand tu te plantes dans une guerre, là, c'est ça que ça fait. L'Érythrée, colonie italienne aussi, ici. Avant d'envahir l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie aujourd'hui, l'Italie avait déjà la colonie d'Érythrée, ici. La colonie de Somalie, qui n'était pas tout seul, ça faisait partie de la Somalie britannique. C'est le Somaliland. Ils avaient la petite côte ici, et celle-là. Ils avaient la Libye aussi. Et ils ont pris l'Abyssinie peu de temps avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est Mussolini qui l'a envahi. Bon, le Niger, c'est lui. L'Argentine, c'est le gros pays en bas. Le pays des nazis. Là où on fuyait quand on était des nazis après la Deuxième Guerre mondiale. La Mauritanie, ici. Honduras, c'est lui qui est là. C'est bien le jeu parce que ça m'a appris que c'était là le Honduras. Hein. Le jeu, quand j'ai fait une rébellion au Mexique, là, ça m'a appris à savoir où était le Honduras. C'est pas mal le jeu au niveau des cartes géographiques, quand même, pour apprendre les cartes du monde. Bon, l'immense empire de Chine. Vous voyez que la Mandchourie fait partie de la Chine aujourd'hui. Le Tibet aussi et le Xinjiang. Donc la Chine qui a envahi tous ses voisins, littéralement. Le Guatemala, on retourne en Amérique. C'est lui ici. Juste à côté du Mexique, pas loin du Belize. Ça, c'est le Belize. La Turquie avec Erdogan. On en parlait tout à l'heure en vocal. La Colombia. Le Tadjikistan. Ah, c'est quel? Tadjikistan, c'est lui, ouais. Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan. C'est vrai que les pays comme ça commence à être mélangeant. Botswana. Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. C'est lui ici le Congo. Hein. L'autre c'est la RDC, j'ai failli cliquer dessus. République démocratique du Congo. La Géorgie c'est ici, le pays de Staline. Staline est géorgien d'ailleurs, il n'est pas russe. Pour ceux qui ne savaient pas, il vient de ce petit pays ici, qui était une partie de l'URSS, une des républiques du RSS. Donc Staline n'était pas russe. Ceux qui ne savaient pas, le Pakistan c'est là. Regardez, République démocratique du Congo. C'est bon. Centrafrique, c'est elle ici. C'est un peu bordélique au Centrafrique. Je crois qu'ils ont élu un. Non, ils n'ont pas élu. Un empereur qui a pris le pouvoir en Centrafrique, un truc de con. Là. Il s'est fait couronner avec des peaux de guépard ou des trucs comme ça. La Syrie qui sort de sa guerre civile. Le Mexique.
avec le mur qui n'existe pas entre lui et les États-Unis. L'Arménie. L'Arménie qui est ici. Je peux zoomer un peu plus. L'Arménie, c'est une situation un peu particulière. Ils ont eu une guerre au début de l'année avec l'Azerbaïdjan qui est à côté. Pour le Haut-Karabakh, qui grosso modo, c'est des Arméniens qui vivent là. C'est très simplifié de le dire comme ça. Mais grosso modo, il y a des Arméniens qui vivent, beaucoup d'Arméniens, ou plutôt des sécessionnistes qui vivent au Haut-Karabakh, qui est un peu la région que j'encercle. Et l'Azerbaïdjan qui, sur la carte, on ne le voit pas, là, mais a un territoire ici, un genre d'esclave, de l'autre côté de l'Arménie qui coupe en deux le pays, en fait. C'est un peu particulier. Et l'Arménie a perdu la guerre récemment. Bon, c'est perdu une guerre. C'est une manche de perdu, ils vont se reprendre en guerre dans quelques années, quoi. Quand l'Arménie va avoir ses drones, elle aussi, elle va pouvoir essayer de reprendre le territoire qu'elle a perdu. Le Costa Rica. C'est pas lui? Non, ça c'est Salvador. Ça c'est Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ah ben oui, le Costa Rica, c'est moi qui l'ai dans le jeu aussi. La Moldavie, à côté de la Russie. Avec la Transnistrie, là, ça commence à être chaud pour eux aussi. Ils ont pas trop apprécié le move de la Russie, je crois. La Namibie, qui fait partie de l'Afrique du Sud dans le jeu. Le Lesotho, c'est parti. Ici, le Lesotho, il est totalement enclavé dans l'Afrique du Sud. Vous voyez? Il y a le Swaziland à côté, qui est trop petit pour être dans le jeu. Ici, on a le Lesotho. C'est un tout petit pays qui est enclavé au complet dans l'Afrique du Sud. Il n'a qu'un voisin. Et il est tout autour de sa frontière. C'est assez particulier. Faut pas faire chier l'Afrique du Sud dans ce temps-là. Le Vietnam. Le cimetière des empires. Ici, juste ici sur la côte. Le Maroc. Bon, je vais pas faire du mal aux Marocains dans le serveur qui savent pas si où le Maroc. Qui savent si où le Maroc. Il y a quelques gens qui viennent du Maroc dans le serveur. Maroc qui a le contrôle ici militaire d'une grande partie du Sahara occidental qui est en vert, une grande partie de la côte qui est sous occupation militaire du Maroc. Bon, ils considèrent au Maroc que ça fait partie du Maroc. L'ONU considère que la frontière s'arrête là. C'est une ancienne colonie espagnole, en fait. Et le Maroc considère que ça, c'est un ancien territoire marocain qui a été conquis et qui leur revient de droit, en fait. Il y a l'Algérie qui revendique le territoire aussi. Au final, on n'a jamais demandé aux gens qui vivent là qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, c'est la géopolitique moderne. On n'entrera pas dans les détails nécessairement, on prendra pas parti pour rien. Bon, on a l'Allemagne, le Cameroun, c'est pas lui? Ouais. Ancienne colonie allemande, d'ailleurs, qui a été intégrée par la France et essentiellement par la France, sud de la Première Guerre mondiale. Bangladesh, qui ont un jour fait partie du Pakistan. Le Pakistan et le Bangladesh ont un jour été ensemble. On a l'Éthiopie, bien sûr, qui est là, l'Australie, l'Algérie. Je n'arrive pas à la voir. Je sais que c'est la Grèce. Il est là, la Grande Algérie. Le Pays-Bas, c'est ici. Le Belize, c'est en Amérique. Je vais mettre la carte comme ça. Le Belize, c'est une colonie britannique dans le jeu. Donc, c'est juste à côté du Mexique, ici, là. La Pologne. La Libye, qui est dans le jeu. Lituanie, c'est le dernier des pays baltes. Les trois là, on les appelle les pays baltes. Parce que c'est la mer Baltique qu'il y a là. Donc, on les a appelés les pays baltes. Ces trois petits pays qui se sont toujours fait bouffer par la Russie. La Guinée-Bissau, c'est le tout petit ici. C'est une ancienne colonie portugaise. C'est minuscule, c'est dans le coin là, on le voit dans le jeu. Haïti, bien sûr. Madagascar. Les États-Unis. Trompez-vous sur les États-Unis, moi. Le Salvador. L'Irak, qui est là. Avec la Mésopotamie, la côte. Toute la vallée de la Mésopotamie. Bon, le Japon, évidemment. L'Égypte. Panama, c'est ici. Le Paraguay, c'est lui qui est là. Uruguay, Paraguay. Afghanistan, c'est là. C'est pas un autre cimetière des empires, ça aussi. Ouais, l'empire britannique et russe, et plus tard américain,
Ah ouais, je pense que c'est lui plus ce qu'on appelle le graveyard of vampires, du cimetière des empires. Quoique le Vietnam en est quand même un bel exemple aussi. La Nouvelle-Zélande, c'est juste ici. Le Nigeria, plus grand pays au niveau de la population de toute l'Afrique. C'est à peu près 200 millions, je crois, de personnes. C'est énorme, hein. C'est beaucoup de gens qui vivent au Nigeria. Guerre civile d'ailleurs qu'il y a eu au Nigeria, après l'indépendance. La Bosnie, c'est de gros ici, avec un très petit accès à la mer. Regardez l'accès, c'est vraiment un pixel sur la carte. Le Gabon il est là, le Mali, le Burkina Faso, l'Inde. L'Inde c'est particulier parce qu'ils n'ont pas le contrôle de cette région-là, je crois, que la Chine l'avait envahie. Et ah, la région du Cachemire, il la donne à qui dans la carte? Je sais pas, hein. Il la donne pas à l'Inde? C'est pas ça le Cachemire ici, là? Ou est-ce qu'ils l'ont pas divisé avec les trois? Attendez, je vais aller voir. Parce que le Cachemire, c'est une région un peu particulière qui a été découpée. J'ai fait une faute, bien sûr. Là. Non, j'ai pas fait de faute. C'est Cachemire, c'est du tissu. C'est pas ça que je veux, c'est. Ah, c'est ça, j'ai fait une faute dans le pays. Le Cachemire, c'est ici. Je vais aller chercher cette carte-là. Oh, où elle-même? Regardez. Je sais pas si vous le voyez vu que j'ai changé de. Vu que j'ai changé d'écran. Ouais, c'est pas d'écran, c'est une autre page internet. Et si je compare avec la carte dans le jeu. À qui ils le donnent? Moi je crois qu'ils l'ont découpé entre les pays qui l'ont envahi. Ça fait définitivement partie du Cachemire. Ouais, ils l'ont découpé entre les deux. En fait. Et il n'y a pas de partie qui est à la Chine aussi. Ouais, je crois que c'est la partie qui est là. Elle a été prise par la Chine et le reste ils l'ont découpé dans le jeu. Ils l'ont intégré en fonction des trois pays qui avaient le contrôle du territoire. Ensuite, le Nicaragua. C'est un des derniers qui reste par là. Voilà, c'est le dernier. Managua comme capitale. L'Azerbaïdjan. C'est ici. C'est lui qui était en guerre contre l'Arménie. La Guinée. La Guinée qui s'appelle juste Guinée, c'est elle. Il y a à côté la Guinée Bissau. Il y a la Guinée équatoriale ici. Et il y a l'île de Nouvelle-Guinée qui est là. La Guinée qui a donné son nom à beaucoup de territoires. La Mongolie qui est là, la Serbie qui est là, le Kazakhstan c'est le gros, la Finlande c'est tout en haut, les Philippines c'est là, le Pérou c'est là, le Cambodge c'est le dernier des trois pays de l'Indochine, le Rwanda, le génocide du Rwanda c'est là, c'est le tout petit pays hein, le génocide le plus efficace de l'histoire d'ailleurs, triste à dire, c'est dans ce tout petit pays vert là, voyez. C'est minuscule, ancienne colonie allemande et puis belge. Le Yémen qui est ici. Israël. Ils ont pas mis la Palestine, hein? Le Turkménistan, c'est lui. Le Danemark. La Belgique. L'Iran. L'Iran, avec lequel Trump a failli rentrer en guerre à la fin de son mandat. Ici, la Thaïlande. L'Italie. Avec les pizzas. Le Bénin, c'est l'autre à côté du Togo. L'Oman. Le Ghana, c'est lui. La Birmanie, qui s'appelle le Myanmar. La Birmanie, c'est un nom très occidental. C'est le Myanmar, le nom du pays. Il y a eu un coup d'État il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui a été assez médiatisé. Qui est toujours en place d'ailleurs, je crois. Donc, plus de démocratie dans cette région. RIP. Le Tchad! Hey, regardez la forme du Tchad, on dirait presque une personne. Hein. On dirait vraiment le Tchad avec les cheveux, le nez, la bouche. Carrément, c'est vraiment le Giga Tchad. Là, je sais pas si vous avez l'image en tête du mème du Giga Tchad. Mais je sais qu'il pouvait faire avec des territoires ici. Il y avait genre les bras, le corps qui descendaient, les jambes quelque part. Genre là. Là, ouais, je crois qu'il faisait un corps avec ça. C'est un mème de fou. L'Ouzbékistan, c'est le dernier. Le Bhoutan, c'est le tout petit là. La Tunisie, sûr. L'Autriche, il reste le Venezuela.
et on les a tous eus. Ouais, je me suis trompé sur quoi? Je me suis trompé avec le Tadjikistan et le Kirghizistan. Et je me suis trompé en sachant pas où était. Comment ça s'appelle? L'Ouganda. Ouais, je suis désolé, mais l'Ouganda. Regardez, j'ai eu tous les autres pays d'Afrique, juste l'Ouganda que je savais pas. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et je pourrais vous dire les autres pays qui restent. Les Maldives, bon, les petites îles, je vais pas toutes vous les nommer non plus. La Nouvelle-Calédonie, tout ça. Il y a la Micronésie dans ce coin-là. Il y a Brunei. Il y a. Ça, c'est le Bahreïn. Il y a le Koweït. Il n'y a pas autre chose là. Il y a le Bahreïn, mais il n'y a pas autre chose là. Je vois pas lequel. Il y en a un que j'oublie. Il y a le Liban, il y a Chypre, le Kosovo, la Slovénie, le Luxembourg. Bon, ça, c'est pas un pays, ça fait partie d'un territoire assez complexe. La géopolitique du truc est assez complexe ici au Sahara occidental. Il y a l'Eswatini, ici. Il y a deux noms, c'est quoi l'autre? Il y a le Lesotho, il y a l'Eswatini. Et je me rappelle plus c'est quoi l'autre nom qu'on lui donne. Ici, Porto Rico fait partie des États-Unis. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis avec les États-Unis. La Jamaïque, il y a les Bahamas. Ici, c'est Trinidad et Tobago. Ça, c'est les îles Galapagos, ça fait partie de l'Équateur. Ouais, le jeu qu'il a pas voulu prendre. Ça fait partie de Cuba. Bon, il y a toutes les petites îles ici, Martinique, etc. Ça fait partie un peu de certains autres pays. Il y a la Grenade. Ici, on voit pas Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, après, on voit, il y a plein d'îles partout. Il y a la Gambie, le petit truc vert à côté au milieu du Sénégal, là. Après, il reste quoi comme pays? Le truc vert qu'on voit là, ça fait partie de l'Angola. C'est bizarre parce que la côte est coupée en deux en fait. Il y a une petite partie de la côte qui appartient à la République du Congo, démocratique du Congo, et l'autre ici, ça fait partie de l'Angola. Une raison inconnue, ça fait partie de l'Angola. Il y a les Maldives ici, ça fait partie du Royaume-Uni. Je crois que les îles Sandwich aussi. C'est sur les îles Sandwich ici? Ouais, de mémoire. Il y a Sainte-Hélène, bon, elle est trop petite, Sainte-Hélène, on la voit pas. Ça, c'est d'autres îles bâtards dans l'océan Indien. Ouais, il y a tout un million de petites îles. On va pas faire le tour des îles au complet, là. Ouais, voilà, on fait le tour des pays du monde. On va revenir en arrière. Bon, on va pas en refaire d'autres dans la vidéo, mais je vais juste vous présenter. On en fera peut-être d'autres dans d'autres vidéos. Ah, regardez, les États membres des Nations Unies. Je me demande, il n'y a pas des pays qui en font pas partie, peut-être? Non, ils en font tous partie. Ils en font tous partie. Oh, il y a même les petites îles. Faut toutes savoir les îles. Ah, mais ça, si vous voulez apprendre les îles par cœur, c'est pratique. Mais on s'en branle. Honnêtement, les petites îles, on s'en branle. Même les territoires en Afrique, la plupart du temps, on s'en branle plus qu'autre chose. Si bien les savoir, c'est tout. Ah, l'Eswatini, vous voyez. C'est ça que je vous disais, c'est le petit qui est à côté, là. À côté de l'Afrique du Sud. Je peux zoomer. Ouais, c'est le petit qui est là. On le voit mal, il y a un point dessus. Bon, on les fera pas tous. Mais voilà. 25 grandes villes dans le monde. Peut-être intéressant. Shanghai, c'est où? C'est là. Pékin. Téhéran. Ah, quand même, Téhéran, une des grandes villes du monde. Capitale de l'Iran. Séoul. C'est l'Afrique. Pas l'Afrique. La Corée du Sud. Bon, il y a New York. Jakarta, que je vous disais, qui est sur l'île de Java. Sumatra ici, Java ici. C'est une des plus grandes villes du monde, hein, Jakarta. C'était l'ancienne capitale de l'Indonésie, ils ont changé récemment. Je sais pas c'est quoi l'autre capitale, la nouvelle capitale. Los Angeles, bien sûr. Calcutta, est en Inde. C'est pas loin de. C'est à la frontière ici avec. Où ça va être déjà? J'ai vu tantôt. Le Bangladesh. Voilà, c'est une des grandes villes. C'est là. C'est pas à côté. Ah, c'est l'autre côté. J'avais dans l'idée que c'était à côté là. C'est quoi, c'est Dhaka ça? C'est la capitale du Bangladesh dans ce cas. Bon, Mexico qui est là. Ah, j'ai eu ma surprise là, j'étais sûr que c'était plus à l'ouest. À l'est. C'est plus à l'ouest. Bon, je le saurais. Osaka, ça doit être celle-ci. Ouais.
C'est tellement un nom japonais. Bon, Istanbul, anciennement Constantinople. Le Caire, Londres. Paris n'en fait pas partie, hein, des 25 villes. Ah, Dhaka. Voilà, c'est la capitale du Bangladesh. Il y a quoi, 150 millions de personnes qui vivent dans cette toute petite région-là? C'est plus que tout ce qu'on a ici. C'est plus que le Royaume-Uni, la France et l'Espagne réunies. Canton, c'est au sud de la Chine. Lagos, c'est où déjà? Oui, c'est là, c'est la capitale de Nigeria. C'est vrai, Tokyo. On va les faire, c'est pas long, à Bombay, c'est là. Rio. Il y a Sao Paulo et il y a Rio. Sachez-les les deux. C'est deux grandes villes, hein. C'est deux très très grandes villes. Il y a Delhi, qui n'est pas New Delhi, qui est Delhi. Karachi, c'est au Pakistan. Buenos Aires. Moscou, bien sûr, qui est une des plus grandes villes du monde. Très peuplé, Moscou. Hein. Une bombe nucléaire à Moscou, ça fait mal. J'ai rien. Manille aux Philippines, sur la grande île en haut. Ah, je les ai déjà finis. Ok. Bon, c'est pas long. Je me suis trompé avec cette ville. Si on a plein d'options. Les pays hispanophones, les capitales, même l'Antarctique. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Antarctique? Oh, c'est quoi, c'est les banquises? C'est quoi là qui me demande? Oh, c'est les genres de grands glaciers. Il y a une chaîne de montagnes au milieu. Ah, je les connais pas du tout. Le Bellingshagen, je sais pas du tout c'est quoi. La barrière de Ross. Ah oui. Ah, c'est une mer. Ah oui, c'est la mer. Ah, je suis con, j'ai pas vu. Cliquez sur le pôle sud, ça doit être là. Ouais. La mer de Weddell. Ça doit être ça. Où ça? Où ça? C'est ça? C'est une mer, ça? Moi, je vois un glacier. Cliquez sur la mer de Ross. Ah, c'est la. Ah, ok. Ça, c'est la barrière. Ça doit être la mer. Ah, mais c'est cool. Ah, je sais pas pourquoi j'ai été directement là. Hudson. Tuki. Ah, je n'y connais pas. La mer, bon, ça doit être ça, non? Ça? Attendez, je vais monter un peu. Ah, il y en a d'autres. Hein. Voilà, c'est elle. Le mont. Ok, c'est lequel des deux? Ah, j'ai eu le bon. Fichtner Road, c'est elle. La barrière de Ross, c'était elle tout à l'heure. La chaîne. Ah, ça doit être la chaîne de montagne là. Transantarctique. Ah, mais ça, là, c'est intéressant l'Antarctique parce que c'est un continent à conquérir. Il n'y a rien en Antarctique, c'est de la glace, mais ça fond. Qui va aller là quand ça va être fondu? Il y a une carte, une séparation en points de tarte, comme un gâteau, selon les pays qui revendiquent des territoires en Amérique. C'est en Antarctique. Et la France a son petit bout à cause d'une île paumée ici, dans le coin-là. Ici, un petit triangle que la France vient chercher. Là. Mais personne n'en a le contrôle en soi. Tout ce qu'il y a en Antarctique pour l'instant, c'est des expéditions scientifiques, des recherches dans ce genre-là. La péninsule Antarctique, c'est quoi, c'est ça? C'est vrai que ça ressemble à une péninsule. L'autre mont, c'est l'autre ici. Le cercle Antarctique, c'est lui ici. J'ai pas cliqué sur là. Oh. Hey, j'ai cliqué là, ça me fait cliquer sur l'autre point là. L'océan Austral, non, c'est l'autre. Ok, et ça, c'est le passage de Drake. Qui doit être le nom du passage ici. 53 quand même. Non, je connaissais absolument rien là-dessus. Hein. C'est de l'exploration, ça, jamais. Les territoires comme ça, on connaît moins. C'est pas le seul endroit du monde que je connais pas. Juste les régions de France, ça doit être. Je dois être pas terrible. Hein. Il y en a pas un. France, capitale régionale, on va commencer déjà par les régions. Les régions, tiens. Les grandes régions françaises, ça doit être selon. Ouais, ça c'est le redécoupage récent qu'il y a eu. Genre. Oh, Mayotte, mais c'est où Mayotte? Je sais même pas c'est quoi. Ça doit être la Loire, la Bretagne, l'Aquitaine et la Provence. C'est quoi ça, c'est le sud? Le Citanie, ok. Mayotte. Il y a Lyon. Ça doit être la Bourgogne. C'est ça Mayotte? Non. Centre Val de Loire, ok. Je sais pas. Sérieux, mais c'est une île de merde! Auvergne, Rhône-Alpes, ça doit être elle. Voilà. Auvergne. Ouais, l'Auvergne, ça doit être ça, je crois. La Guadeloupe. Vous savez les formes des îles, vous? C'est elle? La Martinique? La Guadeloupe.
Le Grand Est. Ok, c'est ça le nom qu'ils lui ont donné? Non, pas du tout. En plus, c'est à l'ouest. C'est ça. J'ai cliqué à l'ouest du pays. C'est le Grand Est, ça doit être ça. Hauts-de-France. La Picardie, ouais. Bourgogne. Bon, ça c'est la Bourgogne, je savais. La Réunion. C'était la Réunion, ça, tantôt. Non, c'est Martinique, je crois. La Bretagne, facile. Centre-Val de Loire. C'était elle. Parce que ça, c'est le pays de la Loire aussi, hein. La Normandie. Pays de la Loire. Voilà. Martinique. Île-de-France, c'est Paris. La Guyane. Oh, la Guyane. La Côte d'Azur. À qui il appelle la Côte d'Azur? C'est pas la Provence. C'est Rhône, Côte d'Azur. C'est comment il l'appelle? Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ok. Bon, la Corse, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, les îles, je les connais pas. Et ça, c'est l'Est de France. Ok. On a donné des noms presque historiques, mais d'accord. Les régions viticoles. Je sais même pas c'est quoi viticole. C'est pas le. Ah, oh, c'est le vrai. Ok, c'est du vin. Vous appelez ça viticole chez vous? Comment qu'on appelle ça, nous, déjà? C'est du vignoble. On appelle ça du viticole. Je sais pas, il y a peut-être un nom différent au Québec. Il y a des régions jusqu'au nord dans la région de Paris. Ah oui. Voilà, la Corse. La Bourgogne. C'est celle-là ici. C'est le Jura. La Savoie. La Bourgogne. Okay. Bon, la Savoie. C'est là. Le Languedoc. C'est pas là le Languedoc? Non, c'est là. Oui, Languedoc-Roussillon, c'est ça. Le Languedoc, c'est là. Oui. Provence. Val-de-Loire. Bon. Ah, il est quand même grand le Val-de-Loire. Ça va jusque-là, les zones viticoles. Le sud-ouest. Ça doit être elle. Ça doit être l'Aquitaine, le sud-ouest. Ouais. La Champagne. C'est là la Champagne? Non, c'est là la Champagne. Bordeaux. Ah, ok, c'est Bordeaux. Et le Jura. Le Jura, je sais plus c'est quoi. Ah, il y a l'Alsace aussi. Il y en a en Alsace. Ok. Ah, j'apprends des trucs, hein. Ouais, c'est beau, on apprend des trucs sur ces cartes-là, mais c'est interactif, c'est le fun. Il y a les mers et les lacs en Europe. Il va y avoir le lac Léman, je crois. Non, même pas, il est trop petit. Oh non, ça c'est facile. C'est quoi la question? Ah, Antarctique. Ça m'en donne en page. Ok, ouais, facile, je disais. Atlantique. Antarctique, oui, c'est dans le nord. Ouais. Est-ce qu'il y a la mer de Norvège là? Okay. C'est la mer du Nord, ça? Ou c'est là? Ça, c'est le Dogger Bank. La mer d'Irlande, ça doit être ça. La mer Noire. La mer Baltique. Le golfe de Gascogne. Oh, intéressant. La mer du Nord, ouais, c'est une mer. Eh, hey, mais je vous jure, la mer du Nord, c'est là, c'est pas là. C'est. Ok. La Manche, évidemment. Détroit de Gibraltar, c'est un point. La mer Méditerranée au complet. Hey, il y a plein de mers en mer Méditerranée. Il y a l'Adriatique, la mer Égée, la mer. Ben, la mer Noire en fait partie. Il y a la mer Tyrrhénienne. On pourra la découper en certaines zones de mer plus petites. La Caspienne, c'est là. Norvège, apparemment. C'est la mer de Norvège, apparemment. Ah, les Bundesländer de l'Allemagne. Je les ferai pas. Je les connais pas. Nice. Nice. C'est quelle idée? Non, c'est là. Bref, oh, je vais le faire au final. Ça, c'est en beau, ça, c'est Brême, je crois. Ah, Brême qui est là aussi, hein. Il y a une petite partie blanche, là, qu'on remarque. La Westphalie, c'est dans ce coin-là. Rhénanie du Nord. Non. Ben, c'est là. Ok. La Westphalie, c'est ça. Okay. Le Bade-Wurtemberg, c'est là. Ça, c'est parce que j'ai joué à Europa Universalis 4 que je les connais un peu. C'est la seule raison. Saxe-Anhalt. Ça doit être le Brandebourg, ça doit être Saxe-Anhalt. C'est un des deux. C'est elle. Ça, c'est la Saxe. La Sarre. Le Brandebourg. La Sarre, c'est que c'est une région qui avait été occupée par la France à une certaine époque. Après la Première Guerre mondiale, je crois. Berlin, bien sûr. La Basse Saxe, c'est elle. C'est la Thuringie, c'est la Basse-Saxe. C'est la Bavière, la Thuringie. La Rhénanie-Palatinat, ouais, le Palatinat est là. Schleswig, c'est en haut. Holstein. La Poméranie, le Mecklembourg est là. La Poméranie, c'est un peu plus grand. Ça allait originellement sur des terres qui aujourd'hui appartiennent à la Pologne.
L'Allemagne, elle a été réduite de taille avec les guerres. Les deux guerres mondiales lui ont fait très très mal. Parce qu'avant, ça s'étendait en Pologne, il y avait la Silésie ici. Dans l'ancien empire romain germanique, la Tchéquie faisait partie de l'empire. Il y avait l'Autriche, il y avait la. Comment ça s'appelle? La Lorraine, ici, l'Alsace. Il y avait les Pays-Bas, la Belgique. Hey, c'était grand, l'empire. Le Saint-Empire romain germanique. Ça allait même jusque la moitié de l'Italie. C'était grand. Si je dois vous conseiller un jeu qui coûte quand même cher, mais qui est vraiment. C'est pas une perte de temps pour vous, là. C'est EU4. C'est Europa Universalis 4. C'est un jeu fait par la compagnie Paradox. Il y a beaucoup de DLC, mais même sans les DLC, le jeu est excellent. Moi, j'adore le jeu. Le problème, c'est que il faut un bon PC quand même pour y jouer. Et si tu y joues en ligne, il faut une excellente connexion Internet. Et en France, vous avez des débits de merde. Désolé de vous le dire comme ça, mais vous avez des. À moins d'avoir la 5G à la maison, vous avez des débits très merdiques. Le Québec, je viens d'un petit village de 1900 habitants, on a une meilleure connexion Internet que chez vous. C'est triste. On va pas continuer, ça fait déjà 40 minutes. Et vous voyez, il y a plein de choses à explorer là. Vraiment, on peut faire des vidéos pendant des heures là-dessus. Là. On peut aller explorer la Belgique, le Benelux même. On peut aller explorer le Benelux au complet. L'Espagne, la France, la Suisse. Il y a même les sujets de la Fédération. C'est quoi, c'est toutes les régions de la Russie? Ouais, si vous vous demandez un jour ce qu'il va falloir prendre à la Russie quand on va l'avoir pété la gueule dans une guerre mondiale, allez voir ça. Pour voir toutes les régions, il y a le Tanutuva qui est dans le jeu, qui est là. Ça a été envahi par la Russie à un moment donné. Si vous vous demandez ce que vous devez faire libérer à la Russie si vous êtes chef d'État des États-Unis un jour dans votre vie, ça n'arrivera pas. c'est là. Il y a toute la Carélie qui est là. Ça, je sais pas c'est quoi le nom. C'est l'oblast de Mourmansk. Ouais, c'est des oblasts en Russie, c'est pas des provinces. Il y a des kraïs aussi. Krasnodar, c'est pas par là. Non, c'est de l'autre côté. Hey, la Russie, là, je connais pas tout ça. Hey, je sais même pas c'est quoi ça. C'est énorme en plus. La République des Maris, c'est là. La Mordovie, c'est pas. Ça doit être dans le coin de la Moldavie. Non, pas du tout. Hey, personne connaît ça, la Russie. Hein. Belgorod, c'est dans ce coin-là. Ça y est, c'est autant au sud que ça. De mémoire, dans EU4, c'est dans le nord. Bah, j'ai aucune idée, c'est où. Rostov. Ceci, normalement, c'est plus par là. De Kourtsk. Ouais, c'est par là. Kourga. Non, je vais arrêter là parce que je ne connais pas. C'est horrible, je ne connais pas. Ah, il y a même l'Ukraine. Il y a les États-Unis. Vous voulez connaître les États américains? Je suis bon avec les États. Oh, ça fait 43 minutes. Je vais aller faire les États. Je ne les connais pas tous. Ouais, genre l'Iowa, je ne le connais pas. C'est pas lui là? L'Alabama, c'est un des deux, c'est lui, je pense. Plus petit avec la côte. L'Iowa, c'est le Mississippi, voilà. L'autre, c'est l'Alabama. L'Iowa, c'est où? Non, c'est celui-là. Dakota du Sud, ça c'est Dakota du Nord et Sud. Washington, c'est là. La Californie. Ohio, il y a la plaine. C'est elle? Ouais. Le Kansas. Lequel est. Ça, c'est le Kansas, c'est l'autre l'Arkansas? C'est le Missouri. Oups. Il est où le Kansas? C'est l'autre. Dakota du Nord. Le Delaware. Il y en a un des deux, c'est le Vermont. L'autre, c'est le Delaware. Non, c'est le New Hampshire. L'autre, c'est le Vermont. Le Delaware, c'est où? C'est pas ça. Ah, c'est le petit truc. Okay. Indiana. Tennessee, Indiana. Non, Kentucky, bien sûr. Indiana. Caroline du Nord. Caroline du Nord. Sud, c'est là. Louisiane. Oh, Louisiane est facile. Texas, Nebraska, je le sais pas. C'est là? Ouais, c'est là. Floride, Massachusetts, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Non, ça c'est New Jersey. Massachusetts, c'est là. Rhode Island, c'est tout petit. Illinois, j'ai cliqué dessus, il était là. New York, c'est le grand. Le Missouri, c'est lui. Non, c'est Mississippi. C'est vrai qu'il y a le Mississippi par en plus. Le Missouri, je sais pas, il est où le Missouri? Colorado, Wyoming. Ah, c'est l'autre. Okay. Michigan. C'est là. Le Michigan, il doit être coupé en deux.
Connecticut, c'est le carré que j'ai cliqué tout à l'heure. L'Alaska. La Virginie occidentale, c'est elle. Ça, c'est la Virginie tout court. Ils se sont séparés durant la guerre civile, les deux. La Caroline du Sud, c'est elle. Le New Jersey, c'est Boston. La Pennsylvanie. L'État de Joe Biden, d'ailleurs, la Pennsylvanie. Le Vermont. Avec. C'est quoi son nom? C'est le même I'm once again asking for your financial support. C'est quoi son nom? J'ai oublié. C'est l'ultra-socialiste. Aux États-Unis. C'est quoi son nom? Charles, je me rappelle pas, j'ai un blanc. Il est plus à gauche encore que Biden. Bon, Biden n'est pas très à gauche en soi. Le Wisconsin, c'est pas là. Voilà, c'est là. Okay. Le Montana, qui est le grand. Ici, le Colorado. Ouais, il y en a certains, je les connais pas. Hein. Les carrés, là, sont... c'est compliqué. Le Colorado, le Colorado. Ça, c'est l'Arkansas. L'Arkansas, c'est lui. Colorado, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Géorgie, Minnesota, Utah. Utah est là. Colorado, c'est un des deux. C'est le Wyoming. Mississippi, je l'avais. Minnesota. Putain, je l'ai pas dit tout à l'heure, Minnesota. Il est où, le Minnesota? Ça, c'est l'Idaho, l'Oregon, le Nevada. C'est lequel, lui? Non, c'est lui, le Nevada. Ça, c'est... Il y a le Nouveau-Mexique, il y a... Ah, je vais m'en rappeler quand je vais le voir. Il y a Phoenix au milieu. Le Minnesota, je le vois plus. Il est où, le Minnesota? C'est pas lui? Ah, non, voilà. Ben oui, j'ai dit tout à l'heure, Minnesota, je suis con. L'Utah. L'Oklahoma, il est là. Le Wyoming. Le New Hampshire. C'est pas lui? Ah, c'est lui, je l'ai cliqué tout à l'heure. Alabama. Le Nevada. C'est pas là qu'il est censé avoir la zone 51? L'Arizona, voilà. Pardon. J'oubliais l'Arizona. Le Maryland. Il n'y a pas Maryland et Maryland? Ah, je suis mélangé. C'est quoi celui-là? C'est Rhode Island, ok. Et Maryland. Tennessee. Kentucky, Tennessee. Géorgie. Hawaï, bien sûr. Le Maine qui est à côté de chez moi. Je suis pas loin du Maine, hein. Je crois que j'ai déjà vu la frontière avec le Maine il y a quelques années. Le Kentucky. Non, non, voyons, qu'est-ce que. C'est la Virginie. Bon. Regardez, c'est quand même pas si mal. Si mal. Ah, il y a même les Canada. Il y a même le Canada avec les villes. Si vous ne les savez pas, les villes, vous pouvez y aller. Edmonton, c'est à qui? Je ne connais pas toutes. Hein. Edmonton, c'est. Il y a Calgary et Edmonton? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a Montréal, qui est au sud. Calgary, c'est l'autre. Vancouver. Vancouver, qui n'est pas la capitale de la Colombie-Britannique, c'est Victoria, qui se trouve ici sur l'île de Vancouver. C'est mélangeant, je sais. Toronto, qui n'est pas la capitale du Canada, c'est Ottawa, qui se trouve ici, qui est en Ontario. C'est à la frontière entre l'Ontario et le Québec. Il y a un côté québécois à la ville, un côté francophone. La ville est assez francophone d'ailleurs. C'est quoi le nom de la ville? Je me rappelle plus. Il y a une ville à côté. Je suis pas en forme pour ça. Winnipeg, bien sûr, Québec. Il y a d'autres villes, on pourrait aller avec les capitales originales qu'on aurait pu aller nommer. Il y a Saskatoon, c'est des grandes villes aussi. On n'a pas été voir Edmundston ici. On n'a pas eu Saint John. On aurait pu y aller avec les capitales des trois territoires en haut. Iqaluit, Yellowknife, c'est quoi l'autre? C'est Yellowknife. Et Whitehorse. On aurait pu y aller avec Victoria ici. Je sais pas, il n'y a pas d'autres grandes villes. Il y a Sudbury quelque part ici, je crois. C'est Gatineau, à côté d'Ottawa, la partie qui est francophone, qui est du côté de Québec. Parce que Ottawa est du côté de l'Ontario. Ontario, c'est ça ici. C'est Ottawa est du côté de l'Ontario. Il y a Gatineau qui est du côté du Québec, qui est presque la même ville, en fait. C'est des villes tellement. C'est une ville qui est assez étendue, en fait. Et c'est francophone, Gatineau. Voilà. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Bon, ça fait déjà 50 minutes, je vais vous laisser là-dessus. On en refera, je crois, d'autres vidéos là-dessus parce que ça m'intéresse. J'aime bien explorer les cartes du monde, en fait. Et on m'avait dit que ce serait intéressant que je le fasse.
Et si vous cherchez le jeu, c'est Setera. Setera. Et ça, c'est comme ceci. C'est en plusieurs langues. On pourrait le mettre en tchèque. Putain, je sais pas lire le tchèque. Bon, pourtant, c'est français. C'est un peu plus anglophone comme site, mais c'est très intéressant. Il y a plein de régions. L'Europe est bien détaillée. Il y en a d'autres en plus. Oh, regardez, tout ça, c'est juste ça là, c'est toute l'Europe. C'est des questionnaires sur l'Europe. Ah, il y en a tellement. Il y en a sur plein de pays. Il y a même la Suède, la Slovaquie. Région traditionnelle de Slovaquie. Si vous voulez apprendre des trucs en géo, ah, il y a même le pays de Galles. L'Écosse, l'Angleterre en elle-même, sans le Royaume-Uni. La Roumanie, la République tchèque, le Portugal, la Pologne, avec les voïvodies. Ouais, c'est pas des capitales. C'est pas des provinces, c'est des voïvodies. Au Québec, c'est des provinces. Ben, au Canada, c'est des provinces. Le Québec est une province. En France, c'est des régions. En Pologne, c'est des voïvodies. En Russie, il y a des oblasts. Je crois qu'en Allemagne, c'est quoi en Allemagne? Je m'en rappelle plus. Allemagne, ils vont pas le mettre quelque part? Où est l'Allemagne? Elle est en haut, en ordre alphabétique. Andorre, c'est des paroisses, d'accord. C'est comment que ça s'appelle en français? Je sais plus, je sais pas. Ça doit être ça. Mais il y a un nom en français de ça. Je sais plus. Je me rappelle plus. Peu importe. Ça doit être des provinces en Espagne aussi. Ou des districts, des communautés. Ok. Non, c'est des provinces. Ok, c'est des provinces ici. 50. Quand même, 50 provinces en Espagne. Allez voir ça. À quoi ça ressemble? Ouais, ils ont tout découpé. La Catalogne, c'est 4 provinces. C'est quoi le nom de ça là? C'est Tarragone. Ça fait pas partie de Tarragone de la Catalogne? Je crois que oui. Hein. Cantabrie, je sais plus si où c'est. Ouais, c'est les Asturies. Je sais pas, il n'y a pas des régions plus grandes que ça. Alors, regardez la Galicie, c'est 4 régions. Hein. C'est 4 provinces. Je sais pas. Les districts de Madrid. Non, ça c'est de Madrid. Les communautés autonomes? Ah oui, ça doit être ça. La Rioja. Rioja. Les Canaries. Bon, on va arrêter là. Mais voyez, on peut s'amuser pendant des heures avec ça. Moi, j'adore. Bon, faut que je vous laisse là-dessus. Bonne journée.